Salut les gens, je suis en compagnie de Broudafplan et le Cygne pour notre multi-EU4. Messieurs, bonsoir. Coucou. Alors, on continue sur notre belle lancée de la dernière fois. Slan, tu as stabilisé ton pays, tu as refait des guerres contre les gens qui se mettaient en coalition, et moi j'étais en train de faire de l'expansion agressive dans le Saint-Empire. Alors non, c'est l'inverse, j'ai fait une guerre contre l'un des rares qui n'était pas encore en coalition. Ah d'accord, autant pour moi. Une révolte à Olomouc, c'est ouais, chez un vassal, la... c'est pas grave. Mais après toi à me soutenir dans une guerre de coalition parce que t'es mon allié, après tout. Et il y a Bengale, Jaunpur, Malwa, Gujarat, Delhi, Sindh, Afghanistan, Yarkand, Nogai, Kazakh, ça pètera jamais. Hongrie et Gênes dans la coalition. Ça ne pètera jamais. Ah, j'ai oublié le Yémen. Le Pays-Bas m'a rivalisé. Et il y a sûrement le Kilwa aussi, non? Il y a Mombasa, mais pas encore le Kilwa. Ils ont une popularité très... croissante du tabac en Castille. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ouais. Allez, hop. Fin du siège de Trèves, ça a été rapide, c'est bien ça. Alors, on est pour chocolat chaud. Par contre, tous les canons sont mis au même endroit, ça c'est pas cool. Donc demandez la... pas l'alliance, mon petit Stan. Tiens là. J'en suis où de mes relations? On va garder ce pour l'instant, non. Pas d'alliance pour l'instant. Trop de relations encore. Importe-toi. Ouf, on est juste là. J'avoue que... il va falloir que je commence à y penser, à faire plein d'alliances. Et je vais me consacrer à faire sortir de la coalition. Bon, comment ils peuvent être en coalition, Jaunpur? Il est à plus 7. C'est quoi cette blague, hein? Oh, le jeu qui continue à tricher avec les coalitions. Lol. On a gagné un petit peu. Ok, très bien. Grâce à notre attractivité en passant par là. Il y a le Palatinat qui a soldé les armées de l'Autriche pour je sais pas combien de thunes. Je vais même pas aller lui mettre dessus. Je vais lui demander la paix avant ça. Hop là, voilà, très ça bien. Cher. Pourquoi à chaque fois que j'investis dans des bâtiments, juste après, il y a un event qui me fait taxer 400 balles et je me trouve avec un prêt. Ça fait 3 fois de suite, quoi. C'est normal. Pour la peine, je vais aller taper du Nouveau Monde. Hop, allez, c'est parti. Transoxiane a rejoint la coalition, me disait aussi. En avant. Guingamp. Les armées en mission refusent d'engager l'ennemi. Ouais, ça c'est quand tu les mets en siège automatique, ça. Ouais, puis que genre en face, soi-disant, il y aurait du monde, ils seraient forts. Oui, et tout. Non, mais ils sont nombreux, vous comprenez. On n'a pas été payé pour ça. C'est pas mon travail. Engagez-vous qui disait, vous verrez du pays. Pas de leur gueule là, ils sont en Amérique du Nord tranquillou là, à boire des binous Canada. Pas déconner. Accès militaire de la part de Trèves. Ouais, mais la Corona. Quelque chose me dit qu'il y a quelqu'un qui est en guerre. Bon, je suis en guerre contre qui en fait en vrai? Ah, mais tout le monde est rouge, comment on peut savoir? Sa mère, Anne, Adramout. Ah, il y a Adramout aussi! Même ça, j'en reviens d'Adramout. T'as attaqué une coalition là ou... Non. J'ai attaqué 3-4 gars quoi. 3-4 gars qui étaient plus ou moins tous ensemble. Hein. Ah, ils ont des alliances les mecs, c'est comme ça qu'ils tiennent à la base. Ça, on est où ici là? Faut me terminer ce truc là. On est en quoi? On est en 92? Oh, ça va. Jusqu'à ce me rivalise. Genre. 1606 pour terminer cette mission, ça devrait le faire. Les généraux, ils sont pas du tout fumés. Non, mais c'était généraux, enfin. C'est un truc de fou, quoi. Ils sont complètement abusés, tes généraux. Là, j'ai un 5-4-4-4, j'ai un 4-5-5-3. Je pense que il faudrait qu'ils rajoutent des assets dans le jeu, juste pour les généraux teutons, pour pouvoir mettre jusqu'à 6 étoiles, quoi, sur la map. Je pense que ce serait totalement légitime. C'est lequel le plus mauvais maintenant dans le lot? Ça doit être le 4-6-4-3 le plus mauvais. Ah putain.
4-5-5-3, 6-6-3-2. Le Palatinat me propose une alliance. Vu le nombre de fois où vous lui roulez dessus, je vais éviter. Ouais, il est rentré dans la coalition, il paraît. Ça sent le bon plan, l'alliance avec le Palatinat. Tiens, on va prendre ça. J'accepte. Voulez vous rentrer en guerre? Mais non. Attends, je viens de cliquer. J'avais pas envoyé quelqu'un ici? Non? Ah putain, il a dû bouger au dernier moment et annuler. Ils veulent que je vassalise Nitra, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ça. Ah non, clairement pas. La province de Budweis est possédée par un pays catholique, c'est qui ça Budweis? C'est l'Autriche. Fuck! Mais c'est quoi toutes ces requêtes moisies? Je les obtiens. Revendication sur le Dauphiné. Le Dauphiné? Mmh. Et où ça? Et là, ça me dit. Bah voilà, on les a défoncés, les rebelles. Je vais répondre aux bourgeois. Je vais répondre aux bourgeois. Kazan, Kazan, Kazan. Ah, les thunes, ça augmente. Les thunes, ça augmente. Parce que ça peut baisser. Oui. Ouais, mais le revenu que je me fais mensuellement augmente. Ah, heureusement. Il manquerait plus qu'il baisse. Sagesse Michard, 50 points admin. Oh, c'est bon ça! Est-ce qu'on peut pas faire des forts améliorés? Là-dedans, ouais. C'est si, on peut complètement faire des forts améliorés. Puissance des caravanes, on s'en fout. Ah, au moins qu'on investisse là, non? Ouais, au moins faire quelques... Un petit peu d'expansion agressive dans le Saint-Empire, mais pour tout ce que je leur ai mis dans la tronche, c'est plutôt honnête. Bon, faut que je trouve un moyen. York est converti. Nom de Sligo. Après avec la France en 1600. Bon alors qui est-ce que je vais aller péter en attendant? Il y a 3000 hommes qui se baladent là. Il va peut-être falloir qu'on s'en occupe. À la main. Allez les gars, on se regroupe. Et il y aurait Oirat, Kazakh, Chagatai. Oirat, par là. Kazakh, au moins. Chagatai. Ah oui, c'est vrai, c'est totalement jouable. Ah oui, toi, oui, oui, oui. Faisons une alliance puisque en 1600, je vous rappelle que nous allons avoir un gangbang magnifique à effectuer sur la France. Et je compte vous solliciter les uns et les autres. Certains pour servir de paillasson, d'autres pour être efficaces. C'est loin ça, 1600, j'ai une guerre contre la Perse juste avant moi. Comment il dit ça? Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Soumettre la France en embargo. Oui, est-ce que je peux l'insulter? Ça serait pas mal d'insulter la France, là je suis plus qu'à 45 de démonstration de force. Comme si j'allais me J'ai révéler. Pas l'impression que ça me fasse grand chose. Le jeu qui me propose de me révéler pour. Il veut que tu fasses ton coming out? Ouais, pour que je brise les relations avec le pape et que je devienne protestant. Visiblement, je peux pas insulter la France pour me faire des points vu qu'on est en trêve. Comme c'est dommage. Bah oui. Comme c'est dommage, vous avez dit dommage. Comme c'est dommage. Hop. Voilà, une armée de moins déjà. Alors là, ici. C'est converti ou toujours pas converti? C'est pas possible. Allez les gars, on y va. Ah lui, il y va à 11 000. Il a pas peur. Hein. Parce que je suis derrière, c'est ça? Ouais, remarque, 71%, il est peut-être temps que ça tombe, non? À 11 000 contre 65, il gagne. Hein. Bon, on va mettre ce qu'il faut pour faire un petit stack wipe. Ah, c'est pas stack wipe. Bon, c'est pas grave. Hop, en avant. Hop, en avant. Ouais, alors, s'il te plaît, réfléchis. Alors, la suite. Ça remonte pas vite, la manpower. Ah oui, tiens. J'ai de la manpower, je vais pouvoir faire avancer des bâtiments. Mort de l'ingénieur militaire. Non, pas toi! Tu étais le meilleur d'entre nous! C'est vrai qu'un petit conseiller, ce serait peut-être pas mal. Quand allez, plus 10% de morale. Nul. Je suis là de la guerre. Oh, très là de la guerre. Et t'as des rebelles en caracoyon de loup. Non. C'est vrai? Si, plus dur. Faut que j'y aille. Allez, hop. Ouzbek est une dépendance de moi. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oh, pardon, excusez-moi. Ah non, c'est l'Oirat à qui je vais aller mettre des baffes. On a de la reconquête à faire. C'est pas sûr. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Combien ça nous coûte ici?
par toi. 166. On a 138. C'est bien triste. En fait, ils parlent normalement et d'un seul coup, on entend des « barre-toi ». On ne sait pas ce que ça fait dans la conversation, en fait. C'est une question de savoir maintenir la discipline dans le pays. Discipline. Ouais, ça aussi à prendre, mais ça je pourrais pas, c'est trop loin de tout. Ouais. Et ça c'est pas sûr non plus que je puisse. On verra. Bah, on avait pas dit que les 25 000 ils allaient là-bas ? Barre-toi. C'est pas vrai, mais dites pas que c'est l'autre bateau qui est en train de revenir. Top, 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 ils sont où les 40 ? Mais voilà, évidemment. C'est pas ça que je veux. Non. C'est pas ça non plus, c'est pas ça, c'est pas ici, je sais plus où je veux aller. Quoi ? On a que 104 bateaux ? Mais. On va lancer ça. Histoire qu'ici ça tienne. Ah bah putain, mais c'est quand même celle-là qui a fini d'abord. Sérieux? Allez, go par ici. Pourquoi il est pas loyal lui, la Syrie? On se demande. Alors, le Kazakh demande la paix. Il ne l'aura pas, puisque le temps que je finisse la guerre, j'aurai intégré Kazan. Du coup, quand j'aurai intégré Kazan, j'en ferai mon vassal. Et quand j'en aurai fait mon vassal, on va mettre de la grosse reconquête sur l'Euphrate et on sera heureux. Et voilà, comme tu dis. Ça y est. Et du coup. Hop. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Hop, alors ici il y a. On est à combien là? Oh putain la vache. Je suis à 92,8, vraiment... donc à mon avis, je vais pas lui prendre beaucoup de terre pour l'instant. Hein. Il va falloir qu'il patiente. Alors, ça se passe comment la guerre ici? Ça se passe pas trop mal. Toi. Hop là, on laisse tomber le siège. On est d'accord qu'on peut pas prendre ce truc là. Donc toc, toc. Point de vassaliser. Point de vassaliser. Est-ce que ce sera intéressant? Non, absolument pas. Du coup, Jérusalem, hop, on va monter. Tu veux pas. Ok. Tu viens de convertir Jérusalem. You, you, you. C'est quoi tout ça? Marib, Seda, Najran, je dois avoir plein de provinces qui sont pas dans les chartes. Bizarrement, l'Euphrate, il amène pas ses troupes devant moi. Or Gaza et Corse. Alors Gaza maintenant. Tu veux dire que Jean il va taper sur quelqu'un d'autre à la place? Non, non, il va se réfugier loin en Mongolie. Plutôt que de faire face à mes armées saintes. Tu veux que je convertisse la Corse? Je sais pourquoi. On va attendre au moins d'avoir fait la bataille avant de faire ça. Nouvelle province légitime, parfait. Oh, bah, il se replie. Il se replie, mais pas assez loin. On va aller se débarrasser d'eux. Et pourquoi pas un ou trois? Parce qu'ils sont deux, tout simplement. Ah, tout s'explique. Et oui. Mamelouk me rivalise. Il a encore envie de Mamelouk. Bah oui. Bah Slan, tu sais qu'il aime pas trop finir les trucs, hein, donc... Non. Ouais. J'aime bien en laisser un petit bout. Multan a rejoint la coalition. Mais arrêtez! J'arrête pas de vous améliorer tous. Donc ça c'est quoi? Ah, c'est un côté de ça, tu déclares des guerres, voilà. Hein, attire l'arigot. Et la pauvre Rigo, elle en a marre. Hop. Hop. C'est déstabilisant à force. Non. Alors, qui y a d'autre? On n'y prête plus attention. Vous êtes là, bon ok, admettons. Et vous,
Vous êtes là. Ok, très bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut... Attendez, des fanatiques réformés, où ça, excusez-moi, pardon. En quel honneur. Merci d'aller me défoncer ça. Attends, on va arriver tellement tard. Bon. Alors, coup de jarat, il faut que je fasse attention. Garantisse. Couleur. Trop de relations. Tout ça, c'est bon, c'est à moi. Ah, là, il y a un Vinland. Là aussi. Je te vois, Vinland. Tu tentes d'essayer de m'avoir. L'âge d'or de la piraterie pour les Pays-Bas. Les salauds. Alors, ouais. Je me pose deux secondes le temps de faire une petite paix. Excusez-moi, je regarde. Je contrôle pas la mue. Non, je contrôle pas la mue. On peut pas prendre plus. Hop. Si, on peut prendre un petit truc par là. Ok. Ouais, bah 100%, ça me paraît propre. Hop là. Coloniser le Canada, c'est fait. Et bien joué. Bien, ensuite. Hop, toi tu vas là. On va lui faire un don à lui. Toi tu vas par exemple ici. Il est sous de moi, le Gujarat. Hein. Bien sûr qu'il se fout de ta gueule, tu l'as vu en même temps. Il veut 1000 saleté. C'est honteux. Alors, je crois que j'ai les moyens, moi. On peut prendre nos demi-canons. Parfait. Prenons nos demi-canons. Ouais, tiens, c'est ce que je viens de faire, les demi-canons. C'était très rigolo. Ça y est, on a réussi la mission. Pourquoi je suis pas arrivé à la mue? Alors, les bourgeois, ils veulent quoi? C'est loin. Viborg. C'est où ça, Viborg? Alors, Nap, on va lui demander de rentrer chez lui. Yes. Chercheur désintéressé, ah. 40 points de chaque. Alors, toi, non, toi, tu vas rentrer au pays. Ouais, non, je peux pas faire ça. Le monument de Man. Ok, je vais lui construire quelque chose quelque part. Quoique. Bah non, tu vas pas rentrer au pays, tu vas aller attaquer Nogai. Ok, ah, il faudra que je casse mon état. Non, ça fait chier. J'arrête 28, on va l'influencer maintenant. On peut pas, il faut 1000. Ça fait combien? 48-8. Je fais combien, moi? 65. Faut attendre. Jarat. Marre audacieux. Tu veux des sourdes teutoniques? Écoute, hein. J'aurais tort de pas demander. Ouais, c'est clair. Écoute, allons-y, hein. Oh, c'est gentil. Ça m'a permis de rembourser un emprunt. Écoute, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir que t'aies pensé à lui demander à lui. Bah, je peux pas te le demander à toi, t'es en guerre. Puis j'ai l'intention de me faire traîner. Et puis en plus, t'avais pas les 926 que j'aurais pu te taxer. Je viens de les donner à Gujarat deux fois. Alors, je vais faire sortir un mec de ta coalition, mon très cher Slan. Tu vas le supprimer? Je vais l'anéantir! Adieu, Ouzbek! Je sais même pas s'il était dans la coalition. Non, il était pas dans la coalition, l'Ouzbek. Le Nogai, je parle. Là. Ah, le Nogai, ouais. Alors. Adal, 48, est-ce que je peux? De toute façon, non, c'est trop tôt.
attendre que ces deux-là tombent. C'est au 15 juin. Oh là là, on est descendu en dessous de 50. Il faut qu'on insulte quelqu'un. Outrageons la France. Quelle est cette lague ? Une réforme encore. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire 57 pendant quelques temps. Vous avez entendu dire que le dauphin aimait sa chasser. Faites attention qu'il ne lui arrive pas un accident. Mélindé. Bah voyons. Tout le monde rentre dans les coalitions de tout le monde, ah, ça me saoule. Jeune pour, plus 3. Tiens, bah c'est mieux. Hop, un gueule. On a un marchand disponible. Hop. Voilà une bonne idée. Toi, du coup. Grand te remettre encore, là. Bam. Parce qu'il y a quand même 13 qui se barrent là. Ça me plaît pas trop. La France. Gujarat, il essaie. Quoi la France ? Elle est où la France ? Jusqu'à ce qu'il sorte, Gujarat, on le laisse. C'est ça la France ? Il veut pas s'allier ? Oui, mais pas n'importe laquelle. Non, il veut pas. Attends, je la cherche. Ah si, je crois qu'elle a une petite merde là. Non, ça c'est le Portugal, mais il est où la France ? Soit disant que la France aura de la puissance commerciale avec Cuba, quoi. La noblesse ne veut plus combattre. Tant pis pour elle. Pas mon problème. Attends, non, mais tu peux t'attendre quoi là ? On dit pas que c'est cette flotte là qui s'est barrée, non ? Ok, j'ai un bug avec mes troupes. Très bien, on va se détendre. Voilà. Allez, hop. Elles veulent pas prendre les bateaux automatiquement, c'est bien triste. Alors, ça, on va attendre. Ensuite, un peu. Ah ! Alors, attends. La République des pirates. Oui, piak ! Le plan la de pas. Continue en jouant République des corsaires, non. Ah, la République des pirates. Il va falloir qu'on aille les défoncer. Mais là, il y a une trêve normalement. En 1600 pendant 5 ans. Oh, fait chier d'attendre 5 ans. Attendra un peu. On en est où de notre mercantilisme ? Ouais. Ah là là. C'est 1600 le commerce mondial, hein ? Oui. Alliance, notre marge garantie avec Gujarat et Multan. Alors Gujarat, on laisse tomber. On a deux colonies là encore. Fais quelque chose. Hop, reviens toi. Delhi. On va envoyer par exemple un. Oh, j'ai vu du cuivre tout à l'heure. Voilà. Hop. En avant. Guingamp. T'es de bonne humeur, dis-moi. C'est ça ou s'ennuyer, donc autant s'amuser. Tu t'ennuies quand tu fais des guerres contre tout le Saint-Empire ? C'est à ce point-là ? Non, non, mais les guerres dans le Saint-Empire, elles sont finies. Là, j'étais en train d'attaquer les steppes, c'est lent comme la mort. Ouais, c'est le moment où tu les mets en auto, puis effectivement, tu vas voir que tu peux prendre un café, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait, en fait. J'ai regardé mes armées bouger toutes seules. Je suis là, super intéressant. Alors, Delhi. Brunswick, t'es encore dans la coalition, c'est embêtant. Et d'ailleurs, c'est justement parce que j'avais rien de mieux à foutre que je t'ai taxé du pognon. J'avais que ça à faire, gérer mon économie. Appelle ça gérer. Voler les honnêtes citoyens. Je l'ai pas volé, je lui ai fait une proposition, je fais « Est-ce que tu veux me filer 300 balles ?» Il a dit oui. Allez, okay, je l'ai même pas menacé. Il savait très bien qu'il avait pas le choix. Bah, faut bien qu'il paye un petit peu sa surexpansion. En même temps...
Ouais, mais Tan déjà il est moins cher. On va attendre le moins 5 là. Ouais, on s'en fout. Allez, allez. On a bientôt annexé Kazan. Et là, on va pouvoir investir un peu. D'ailleurs, si tu préparais mes paix à venir, hein, tant qu'à faire, on demandait la paix. La salle teutonique. Tout ton pognon. Ça va être vite vu. Kazan a accepté son annexion. Ah, il y a Venise qui a pris cher. J'ai une armée plus puissante maintenant. Oh, fais gaffe, j'ai dû supprimer quelques mercenaires. Je vais reprendre. Je suis à combien de ma limite? 118 sur 157, ah ouais. Ah, c'est le moment de prendre des techs. Il est temps d'investir un peu dans du bateau. Alors... Hop, mes bourgeois sont contents. Et ma capacité de gouvernance ne râle pas. Ah oui, là il fallait qu'on... Oh, je vais être obligé de subsider. Ça marche bien. Comment ça bien faire? Eh bien, j'ai le sentiment que je ne peux plus rien mettre dans des. Si, là, je peux mettre des trucs dans les chartes. L'unité de la foi, 50 points de puissance admin. Oh, je viens de gagner 100 points admin dans l'espace de quelques minutes. C'est un épisode que j'aime au plus haut point. Ce qui va donc me permettre de légitimer ce que je vais choper ici. Ah mais putain, les gens gueulent parce qu'ils sont réformés, mais sérieux. Mais d'abord... Voilà. Et là, et ça me regarde pas, ça me regarde pas. On a dissous de l'alliance avec Delhi qu'on vient de faire. Pour le faire sortir de la Koa. Un commandant nous a quitté, c'est fort dommage. Ah, je peux prendre l'Autriche comme rival. Très bonne nouvelle. Envoyer des insultes, on outrage. Hop. Ah, je peux pas prendre l'Autriche, dommage. J'y ai cru quand t'as dit ça. Prolonger notre influence, non. Mon pognon dit quoi? 44. Est-ce que ça se casserait pas la gueule parce que j'ai trop de soldats? 117 pour 110. Ou comme de l'an 40. On va se démerder le Vinland, ça va bien. Pourquoi il est pas content d'ailleurs c'est... Puissance maritime, mercantilisme, niveau de développement total. Ah oui, tu te considères comme trop comme développé, mais on doit pas avoir tout à fait la même notion de développement là. L'Oirat se fait attaquer par Spun et Yarkand. Ma trêve avec lui, c'est quand 1602. Ah, je serai en retard vis-à-vis de la guerre que je mènerai vis-à-vis de la France en premier lieu. Bon, il n'y a pas un autre petit demeuré là que je pourrais annexer, vite fait bien fait, genre la Moravie. Exiger l'annexion, viens là. Ah, il faut reprendre ça. Bengale s'est retiré de la coalition, ça c'est bonne nouvelle. Alors, qui je rivalise? Jaunpour, Teutonique, Portugal ou Scandinavie? Pour l'instant, on va rien faire. Yep, pour l'instant, on prend. Il nous faut des sassos. C'est chaud. Kazakh s'est vassalisé, Ouzbek s'est vassalisé. Ouzbek, ça pourrait même s'intégrer tellement ça sert à rien. Tu m'étonnes. Parce que je crois que l'Ouzbek n'a aucune revendication que le Kazakh n'a... Si. Il a une province. Deux. Ouais, deux. Et hop. On va profiter. Quoique, ça fait perdre un slot quand même de... Et je suis à 9 pour 6, voilà. Ça fait beaucoup, quoi. Bon. Il va me falloir des points quand même à un moment ou à un autre. Des points? Mais pourquoi faire? Là. Mais c'est très simple, Jamy. Le seul choix possible a été éradiquons les hérétiques pour retrouver la paix. Mais oui, totalement. Très bon état d'esprit. Toutes ces manufactures.
Alors, j'ai une trêve avec la Perse en décembre 97. Tiens, alors, la petite armée de 16 000. En 98, avant. Bien. Alors, qui est dans ma cour encore? Il y a un petit Malois là au milieu. Ah, mais ils arrêtent pas de me demander de faire de Nitra une dépendance, ils font chier quand même. Mmh. Mais vaut mieux pas. Bah oui, c'est pour ça que je ne choisis pas cette requête. Mais arrêtez avec vos requêtes, pourquoi vous faites des requêtes? Ça leur donne de l'influence. Pour l'instant, je m'en fous, moi je... Faut pas requêter. Je suis serein sur mes appuis. Des ordres. Ah, les ordres. Bah moi j'ai une mission, je dois réussir 5 requêtes pour les bourgeois, donc du coup... Je l'ai fait là, mais... C'est pas pour le plaisir, quoi. Non, c'est 4 en plus. De l'influence annuelle sur le pape. J'avais pas vu que j'en avais autant. On va prendre quoi? Ça, c'est bien, ça. On va en prendre plein. J'en ai plein, j'en prends plein. Mm-hmm. Si je leur vole des terres, les clercs, ils vont faire la gueule, quoi. Non. Ils disent rien, en général. On leur a dit... C'est de la conversion, ouais. Super. Bien. C'est des rebelles de qui ça? Des Macouriens. Geldre a rejoint la République des Pays-Bas. Voyez-vous ça? Recherche militaire inepte. Mensonge. De la pointe de la tech. Alors. Soulèvement éthiopien. Qu'est-ce que j'ai fait encore moi? Des bâtises. Vous n'avez pas été très gentil. 252 000 hommes dans la coalition face à nous. Ça va, t'as une petite quoi, toi, pas grosse. Tu t'es encore lâché sur l'expansion agressive? Non, mais là, c'est parce que je regardais si j'attaquais une tribu du Nouveau Monde. La mienne de coalition, c'est 500 000 hommes. Je préviens c'est mon des malades. Je préviens mon allié. Tiens. Ça sent la rupture. Ah oui, tout ça, quand même. C'est pas rien. Ça va. Reprenons un emprunt en bourgeois. En vrai, ça va. Alors, je peux faire quoi? Le palais d'hiver. Bah oui, le palais d'hiver, parce que ça va me faire propagation des institutions. Gain de réforme gouvernementale, vas-y, roule. Et l'autre, c'est quoi? Le Moscou, ça fait quoi si je fais ça? J'avoue, le des réserves Arac, locales, défense locale. Tu le garantis, mais il est dans la coalition contre toi. On fait ce qu'on peut avec Gujarat. Les mecs, ils ont pas de taille, quoi. Je cherche lui, vous l'attaquez, je le défonce. Et toi, si t'attaques quelqu'un d'autre, je t'attaque. Ça n'a aucun sens, voyons. Je cherche des gens avec qui m'allier dans ma coalition. Attends, mais Verne a zéro armée, sérieux? Verne, est-ce que tu fous? Ah oui, t'as zéro armée, très bien. Quelle drôle idée. Transoxiane, on peut faire quelque chose? Non, Transoxiane, c'est mort. Transoxiane, nous en veut à mort, à mort, à mort, à mort. Afghanistan, Sine, c'est sûrement pareil. Multan. Yarkand, peut-être pas. Erdarine, je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Ah déjà? Mais oui, 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 mais bien sûr, j'ai pas vu le temps passer. Ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les vues de mes confrères sur la chaîne Des Jeux du Cygne et la chaîne 119 minutes. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.